Good morgen, allez, Dan et tu seras aujourd'hui le Nishmat, François Jeven Chana, Janine Ruth, Bat Fortune Mazal Fritna, Claude Shlomo Ben Shalom, Ishaya Ben Linda et Solvanich Lebet Delmar. Si vous souhaitez aussi étudier une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles, nous étudions Masechet Péa, Perek Gimel Mishnah Aleph. Malbenot Atvua She Ben Azetim, Bet Shama Yomrim Péa Mikol Achat Ve Achat. On va, dans notre chapitre, approfondir davantage un sujet évoqué dans le chapitre précédent. On avait, si d'une certaine manière, dans le Perek Bet, on a eu plusieurs, on a eu des directives générales, mais là on va entrer dans plein de détails. À savoir, la Torah m'a dit, « Ukutzrechem et Ketziratzrechem » Lorsque tu cueilleras ton champ, eh bien, tu n'achèveras pas ton champ, tu laisseras un coin. On avait pris une donnée de base que si ton champ, tu le coupes en deux champs, eh bien, il faut laisser une PA pour chaque champ. Et du coup, on est en train dans plein de considérations, à savoir, est-ce que on considère ça comme un champ, comme deux champs. On avait pris essentiellement, pour ce qui m'intéresse, moi, pour mon chapitre, pour le moment, pour mon nouveau chapitre, c'est que lorsque tu vas séparer de ton champ, tu vas laisser une bande non labourée, ou bien tu vas mettre une autre espèce à l'intérieur de ton champ, eh bien ça va couper ton champ en deux, d'accord? On avait appris derrière, ça partage en deux, tu as laissé un chemin de 16 amas ou même de 4 amas, ou même tu as laissé trois rangées de laboureuses que tu n'as pas, pas labouré, tu as laissé un espace au milieu. Comme ça, tu vas couper ton champ en deux. D'accord? C'est une donnée générale. Ça va être davantage approfondi dans notre Mishnah, hein, avec toutes sortes de situations, en fait. À commencer avec Malbenot Atvua Sheben Azetim. Les carrés, Malben c'est un losange. Les losanges de céréales, Sheben Azetim, qui se trouvent entre les oliviers. En deux mots, vous savez, quand on a un champ d'olivier, eh bien, c'est dommage. Imaginez que je cultive des oliviers. Donc j'ai un champ entier, et puis je dois espacer des arbres, parce qu'un arbre, il a besoin de beaucoup d'espace autour de lui pour vivre. Si tu vas lui mettre un deuxième arbre trop proche, un, il va déranger l'autre, personne ne va se développer normalement. Si tu le laisses lui-même, il va fleurir et s'étaler bien comme il faut. Et donc il y a des mesures minimales, en général, de 16 amas entre deux arbres, je crois. Je suis sûr, il faut 16 amas pour chaque arbre, c'est la yénika qu'il a. Maintenant, il s'avère qu'en fait, au milieu, donc, tu vas avoir un espace, une surface de terre qui n'est pas exploitée. Tu ne peux pas planter un arbre parce que l'arbre, il va s'en enraciner profondément, il puise ses forces du sol profondément. Par contre, tu sais que tu peux profiter pour planter des légumes, des céréales. Ouais, parce que les céréales, en général, peut-être qu'il manque une petite introduction aussi. C'est mévoir, s'expliciter plus dans votre art, dans le moment de ça. Qu'un arbre, donc, il va puiser ses forces profondément, il s'étale beaucoup jusqu'à 16 amas, ça fait l'équivalent de 8 mètres. On trouve encore des racines, il ne faut pas le déranger. On pouvait prendre aussi la moitié de ça, on se débrouillait, il y avait des techniques pour prendre 8 au lieu de 16. Mais en tout cas, il y avait au moins un minimum de 4 mètres jusqu'à 8 mètres autour de l'arbre, où l'arbre puise ses forces. Maintenant, l'arbre, les racines de l'arbre, elles vont puiser au fond, profondément. Sur la surface, ça ne dérange pas tellement. Donc du coup, on peut sauver la surface pour mettre dedans des légumes, parce que les légumes, au contraire, eux, ils puisent que jusqu'à 3 tefachim. Les légumes, ils prennent beaucoup moins de force du sol en général. Ils restent à jusqu'à 3 tefachim, l'équivalent de 30 cm plus ou moins dans la terre, et puis c'est tout. Du coup, lorsque tu fais pousser des oliviers, c'est dommage, tu as plein de surface pas exploitée. Donc l'usage, il était de planter dedans des céréales ou toutes sortes de légumes. Mais attention, il y a des halakhot de kilaïm. Vous savez que bon, ce sera la prochaine mesechet, on la prendra longuement, ce sera une mesechet dure relativement. Les interdits de croisement. Et là, c'est assez compliqué lorsque tu as un champ d'arbres, pour mettre dedans des légumes. Il y a des distances et des mesures à tenir. Et notamment, le fait qu'il faut les planter en malben. Tu les plantes en. Tu les espaces d'une certaine espace, et tu après tu les plantes en,
en potager bien défini, bien distinct, comme ça, ça ne se mélange pas. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle des malbénotes de bois, c'est que tu fais des losanges de bois pour exploiter l'espace entre les étimes. Ça, c'était l'introduction pour expliquer le cas. C'est quoi des malbénotes à bois chez Ben Azetim, entre les oliviers, les étimes, tu as des malbénotes, des losanges de bois, de céréales. Pourquoi des losanges, comme on a dit? Parce que par rapport à l'interdit de Kélaïm, tu es obligé de les planter de la sorte pour ne pas interdire à cause de Kélaïm. Donc ça c'est Malbenot à doigt chez Ben Azetim. Bet Shamay Omrim, P.A. Mikol Echat Ve'Echat. Alors il s'avère que maintenant, donc, j'ai mon champ d'olivier, et au milieu entre les oliviers, j'ai fait plein de carrés de céréales. Bet Shamay dit, ben écoute, chaque carré il va être imposable d'une PA indépendante. Tu as fait un carré de 2 mètres sur 2 mètres, tu laisses une petite PA, en l'occurrence, en 60e, et idem pour chaque carré. Tandis que Beth Hillel Omrim, Beth Hillel me disent non, mais Echad Alakol, tous les carrés de Dvoua, on les voit comme un seul champ, et donc tu laisses une PA pour tous. Tu décides de par exemple laisser le 60e carré, ce sera lui la PA pour tous les autres, et il n'y a aucun problème, tu es obligé de laisser une PA de chaque carré indépendamment. Je continue la Mishnah tout de suite, et puis après on fait un petit point quand même. Ou Modim She'im Ayu Rasheshurot Moravin. Maintenant, ils sont en accord, Beth Shammai et Beth Hillel, que si jamais on a les Rasheshurot, les têtes des rangées, c'est-à-dire tu as fait des losanges, imaginez que les pics des losanges, les coins des losanges, ils se touchent. Donc en fait, tu as des carrés, mais tout de suite, tu n'as pas d'espace entre les deux, ils se touchent tous. Puisqu'ils se touchent tous, et bien dans ce cas-là, je suis noté PA Mikol, PA Mechad à la colle. Que dans ce cas-là, il pourra donner une PA de l'un pour tous en même temps. Donc je reprends un petit peu la situation. On a dit, on a un champ d'olivier, et au milieu pour exploiter le champ, pour exploiter l'espace, tu vas mettre dedans plein des carrés, ou dedans tu vas pousser des céréales d'une même espèce, que du blé par exemple. Et quoi? Alors maintenant, si les losanges se touchent, donc on va considérer que c'est un seul grand champ. C'est bon, tu donnes une PA pour tous. Si les losanges ne se touchent pas, sur ça, Beth Shammai va dire, écoute-moi, il y a ici des champs distincts. Chacun, c'est un champ distinct. C'est un potager différent. Donc tu donnes une PA pour lui, une PA pour lui, une PA pour lui. Pour chacun, il faut donner une PA. Viens, Beth Hillel, elle me dit non. Beth Hillel, elle me dit non. Étant donné que... une seconde, je le retrouve. Et donc, étant donné que, selon le principe, là il y a une notion délicate qui va y avoir, c'est qu'en fait, on va s'intéresser à savoir, effectivement, si tu avais un champ vide et que tu avais planté que des carrés, même d'après Beth Hillel, tu donnes une PA pour chacun. Mais lorsque quelqu'un d'extérieur, il vient, il voit, pourquoi tu n'as pas planté plus? Parce que c'est les arbres qui te dérangent. Donc celui qui voit ça extérieurement, il ne va pas avoir une interruption. Il va voir que tout ça se considère comme un seul champ. Tu peux laisser une PA pour tous. Il y a ici une petite finesse qui se passe. On l'avait déjà un petit peu découverte dans la mission précédente, avec l'histoire des champs qui étaient au sommet de la montagne, je ne sais pas si vous vous rappelez. Je ne vais pas revenir sur la mission, mais je vous explique. Une donnée très importante, un paramètre très important pour définir ce que c'est un champ ou deux champs, c'est pas juste un problème technique, d'espace entre deux champs, entre deux potagers. Il y a aussi, est-ce que tu vois, il y a le regard, comment les gens considèrent la situation, qui va beaucoup influer sur l'alakha. Il y avait un carreau, c'est un peu ce qui se passe ici selon Beth Hillel. Beth Hillel te dit, c'est vrai que si jamais tu n'avais pas du tout d'olivier dans tout ton truc, et t'as fait dans tout ton champ, et tu as fait juste des carrés, chaque carré, il est considéré comme un champ indépendant puisqu'il ne se touche pas. Mais dans la mesure où on voit les oliviers, on voit pourquoi tu as fait des carrés comme ça. Donc on a bien compris. C'est comme si tu avais en plein milieu, tu avais eu un gros rocher qui te dérangeait. On a bien compris qu'en fait tout ça c'est un seul champ. Tu as juste interrompre pour reprendre. Tu n'as pas ici une interruption entre les deux champs, on voit tout ça comme un seul grand champ. Donc tu laisses une PA pour tous. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de la Slacha, comme tout vous sert.